Quoi? C'est Marie-Cécile, il y a un nouveau galant, on peut mettre photo sur Instagram, tu as guetté. Et Marie upgrade, hein? Waouh, pas dire non, il y a été trouvé, moi il y a été trouvé. Tu as trouvé comment il y a été? Oh yo, joli gosse, sont les yeux bleus. T'as vu ça? Cosé, tu as. Je l'ai vu bleu bien clair. Et dit fil. Ouais, t'as. Toutes ces photos, tu likes, toi? Ah, toutes ces photos, je like. Tu aimes bien Marie-Cécile comme si. Tu aimes bien ces photos aussi. Je like. C'est moi, automatiquement, j'ai du like comme si. Oh, automatiquement, tu likes des trucs bizarres. Ok, automatiquement, tu ne commandes pas toutes mes photos. Non, mais tu sais, c'est, je vois quelqu'un sur mon feed que je connais. Mais je like. Parce que je connais la personne comme si je like. Ça paraît sur mon feed. Je vois ça. Juste ces photos en bikini comme si elles paraissent sur ton feed, toi, hein? Bizarre, quels sont tes searches, tout ça? Non, faut se poser la question. Non. Un bikini, like. Un tété, like. Un regarde, like. Non, mais je regarde même pas ces photos-là, chérie. Je regarde pas. Ah, c'est... ton pouce est sélectif, toi. Il like comme ça. Il voit bikini, like. Ton pouce. Qui m'a pour un pour like là-dedans? C'est un autre Sophie Guy en plus de ça. Tu es grand meilleur, ça. Mais sûrement, c'est pas Sophie Guy qui te paye like. Bon, tu me rends un service. Tu vas unlike toutes ces photos-là. Allez, je te donne 10 minutes. Je vais checker là. Allez. J'ai pas les chinois là, t'as pas compris? Tu veux unlike, oui, je veux. C'est ça, t'as intérêt. Mets-toi, je vais checker là. Cheryl, t'as beau taper. Joshua? C'est un Joshua. Tu es en train de fouiller dans mon téléphone là? Non. C'est juste que ton téléphone a sonné. Je me disais, c'est quelque chose d'urgent. Alors, il s'agit de la vie ou de l'amour de quelqu'un. Je me disais, mon guetté toujours. Mais c'est Joshua. Quel est-il? Il dit hi. Aux anglais, tu vois. Mais ça aime Joshua là, Joshua. C'est mon père de Connie, mais. En fait, non, pas Connie. Tu veux savoir de quoi il me présente, pas Joshua? Ouais, non, en fait, c'est un bouga à la gym, ça. Il fait Zumba et en même temps, on s'entraîne ensemble des fois, tu vois. Vous entraînez ensemble. Vous entraînez ensemble. C'est ça, mais à quoi il ressemble, Joshua, là? Qu'il ressemble, de vérité? Basique, quoi, gars de la gym, tu vois. Ah, ouais. Il est pas content de mettre l'aise quand il y a le gym, lui. Tu veux le prendre, il sec, à la gym à cause de ça. Pourquoi tout le temps, il est habillé comme ça. On dirait tuli, alors qu'il fait marée froide, on met plein de pulls, soit qu'elle a fait. Tout le temps, tuli, on l'a pas levé. Mais comment on peut arrêter ça, hein? Comment on dirait on peut arrêter d'aller à la gym ou bien arrêter de le voir tout court, hein? Dans quelle mesure c'est possible ça, chérie, là? Tu es en train de me demander d'arrêter la gym? Qu'est-ce que tu veux quoi? Treadmill, te bise à ban halter, une bicyclette d'appartement, qu'est-ce que... Comment je peux aider? Je t'offre tout, y a pas de problème. Tu es jaloux? Non, je suis consciencieux, on appelle ça, c'est consciencieux. Ça veut dire? Ça veut dire que je préviens avant de guérir, chérie, tu comprends? Ça veut dire que comme ton tonton Prime Goulop, il est prévisionniste à la météo, moi je préviens les problèmes, tu vois. Je regarde d'abord les solutions, j'arrive avec les solutions avant que les problèmes n'arrivent. Mon fils, comment dire, peine aucun problème dans ma vie, tu comprends? C'est ça qu'ils m'ont fait. Je me disais, cousin des trois paroles à monsieur Joshua. Parce que moi, je me trouve une solution avant que Joshua la vienne un gros rempart dans ma vie, avant qu'il commence à prendre un capot mon couple, avant qu'il commence à jouer tuni devant mon madame. C'est ça qu'ils m'ont fait, c'est ça qu'ils m'ont pris en considération. Et avant la fête ce soir? Non. Et y'a yo, j'en ai fait des trucs fun, nous. Cheryl, nous parlons de la salle noire. Côté d'un tas de monde plus beaucoup. Tout le monde peut transpirer. Tu vas pas comprendre, non, il peut arriver. Tu faisais faux, tu danses, tu vas de la musique dans pèse. Tu vas peut transpirer, mais col-colo, toi comme ça. Là, quand tu finis, hein, et tu vas fille, tu pas envie de trouver une fille, tu pas content. Tu faisais faux, tu as un sourire, tu dis bonjour, mais la nuit. Quand tu finis là-bas, elle est là. Nous pouvons voler Covid positif, elle est là. Nous allons faire test PTCR, ok? Après ça, nous avons Covid, nous allons en quarantaine, nous allons en cause. Qu'est-ce qu'ils ont fait à cause de nous? Tu faisais gagner une fun dans une boîte nulle. Ok. Maman, je voulais juste passer une bonne soirée avec toi. Mais si tu veux passer une bonne soirée, on regarde un petit film ensemble.
Marie-Fen? Oh, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Wata! On a 25 ans, on est comme des vieux papis dans la maison. Ah ben, au moins, on est prêt à la retraite. Nous connaissons déjà ça, la vie de la pointe. On est prêt. Ouais, Marie-Top. Marie-Top. Allez, viens faire un petit câlin, là. Viens faire un petit câlin. Viens faire un câlin, papi. Ah, ya, j'appelle mon papa, papi. Viens faire un câlin, papi. Viens faire un câlin, papi. Tu crois que c'est fini? Petit moment, là. Salut Instagram, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager une de mes recettes fétiches. Il s'agit du pulao. Qu'est-ce qu'on met dedans? Pour réussir ce pulao, il faut pas être ping sur les ingrédients. Moi, j'ai bien garni mon pulao et ça sent divinement bon. J'ai hâte de manger. Un truc au fou là? C'est quoi? Bonjour tout le monde! Alors au fait, c'est pas un pilau que j'ai cuisiné aujourd'hui. C'est un riz frit poisson salé. Pourquoi? Parce que c'est moi qui fais cuit. C'est pas Cheryl qui fait cuit ce pilau. Il me connaît qui me mettait là-dedans. C'est un riz frit poisson salé. Je vais passer ça là. Tu as tout gâché là. Je te jure. Alors Instagram, demain je vous partage une nouvelle recette. J'espère que vous avez aimé cette recette. Excusez Vincent, vous savez, il aime faire la comédie. Arrête quand je mentis. Assez.